Alors, le livre qui a changé ma vie, la réponse qui me brûle la langue là tout de suite, ce serait de vous dire celui pour lequel je suis ici ce soir, mon premier roman, qui m'a permis de vivre cette aventure extraordinaire. Mais je sais que ce n'est pas la réponse que vous attendez. J'aimerais vous répondre non pas par un livre seulement, mais par une bibliothèque. C'est ma bibliothèque d'enfance, parmi laquelle notamment Roald Dahl, pourquoi cette bibliothèque d'enfance? Sans doute parce que c'est pendant ces premières années que j'ai découvert la littérature, que j'ai découvert le monde littéraire et où finalement mon monde se mêlait au monde littéraire. Il n'y avait pas vraiment de rupture puisque je lisais, j'écrivais des petites histoires ou j'inventais des petits sketchs dans une continuité, on va dire. Il y avait une espèce de générosité, d'innocence et de gratuité de la littérature qui s'est peut-être un peu perdue après, puisque forcément à l'école on finit par vous imposer des livres que vous n'avez pas forcément toujours envie de lire, puis au point de vue de l'écriture vous vous rendez compte que en fait on peut aussi écrire pour publier, tout ce genre de questions qui ne se posaient pas au départ. D'où le fait que voilà, j'ai envie de vous répondre, ma bibliothèque d'enfance, comme bibliothèque qui a changé ma vie.